les communes de Kalalé, Niki, Perere, Ndali, Bembereke et Tchaourou, la municipalité de Parakou a été la dernière étape de la tournée statutaire au titre de l'année 2020 du préfet du Borgou, Djibril Mama Cissé. À cette occasion, le maire Inoussa Chabizimé a salué les avancées notées dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon dans la ville de Parakou et par la suite énuméré les difficultés auxquelles le conseil qu'il dirige est confronté. Monsieur le préfet, je voudrais profiter de cette ambiance ou de ces conditions favorables pour appeler votre bienveillante attention sur certaines préoccupations de la ville de Parakou. Sur le plan de la sécurité, les inquiétudes sont encore grandes au regard du regain de certains actes d'incivisme qui s'observent depuis quelque temps. La qualité du cadre de vie appelle, à présent, cet effort pour garantir la durabilité de nos infrastructures. S'agissant de l'éducation, il se pose encore le problème du personnel à l'insuffisance des salles de classe et il faut ajouter celle du personnel enseignant qualifié. Quant à la santé, on déplore encore et encore la qualité du plateau technique. L'établissement du budget primitif 2021 souffre du manque de certaines informations utiles, j'allais dire vitales. À ce souci, s'ajoute celui de la suppression de la vente des parcelles aménagées, une importante source de revenus pour les communes. Toutes ces difficultés énumérées ainsi qu'aux doléances faites ont trouvé des apports de solutions grâce aux interventions des membres de la conférence administrative départementale et de l'autorité de tutelle, le préfet Djibril Mama Cissé. Ils ont par la même occasion rassuré l'autorité municipale de leur disponibilité pour l'accompagner à mettre en œuvre ses actions de développement au profit de la municipalité de Parakou. Au niveau du département du Borgou, qu'on ne le veuille pas, il y a une dynamique qui est en cours. Au-delà de l'aspect professionnel, des obligations professionnelles qui nous unissent, nous notons un certain bilan de solidarité, de complémentarité à notre sein. Je voudrais, en face du monde ici, dire que je suis fier de vous. C'est ma chance que vous avez à m'écouter. Je voudrais prier Dieu de nous assister afin que cette dynamique puisse se déployer et servir l'ensemble des populations du département du Borgou. Pour terminer, je voudrais, Monsieur le maire, vous rassurer de notre disponibilité. Les membres de la conférence administrative départementale et moi, vous accompagner dans vos actions de développement. Ainsi vient de prendre fin ce périple du préfet du Borgou, au cours duquel des réponses aux diverses préoccupations des maires de chaque commune ont été trouvées. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.